walk backwards, keep your hands up. Keep going until you hit the wall. I could shoot you now and pick myself up $5,000. $5,000? Yeah, that's what the cops offer. Alive or dead, they're stumped. You won't feel any pain with this. I'm going to give you some shots that'll freeze your face. Now, just close your eyes. مصب على القص ديره راه هما اللي كيتفرجوا فيك ماشي انت اللي كتفرج فيهم صافي الحاج جلس فطر هو عند مدرسته جلس فطر الحاج المدرسه اللي خلصنا ما كيطفروش فيها صافي وليدي سر الله يرضى عليك تقرا سيري وليدي سير ما بقى لك والو دابا وتجلس دوماج ما صالح حتى الحاجه وانت حتى الامتحان ديالك ما قدرتيش توجد لك كيف سيادك راه المدرسة قتلوني بالشكاوي وليدي سير المدرسة نرد عليك تقرا سيري وليدي سير سيري وليدي تقرا ما خصك تصدع سيري وليدي Avec un regard vif et doux, elle lui dit ce qui ne détruit pas renfort. Il relève brusquement la tête vers elle, il murmure « Elle est vivante ». Il l'aide à se remettre en position, assise, et lui tape dans le dos. Il faudra faire simplement attention à l'ambiance par rapport au paysage, c'est tout. Pour le reste, c'est bon. Alors, monsieur Tayeb Filali, où est-il ? Monsieur Tailleur, merci d'être venu. Surtout, merci d'être venu à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une idée de l'heure qu'il est? Le cours est presque terminé. Si le cours ne vous intéresse pas, il faut le dire tout de suite, c'est inutile de venir. Regardez vos camarades. Eux, ils sont prêts, prêts à tourner. Vous, vous n'avez même pas encore déposé votre projet. C'est pas possible. J'en ai assez de vous faire toujours les mêmes reproches. Vous ne répondez rien? Vous êtes devenu muet? Premièrement, vous êtes toujours en retard. Deuxièmement, vos projets ne sont jamais remis à l'heure. Troisièmement, je me demande ce que vous foutez ici. C'est toujours le même scénario. هاج هاد الصباح هاج
جاب راخنا فيهم. أميتي شحال غير أميتي حيد أولي حيد. شنو درتي يا وليدي؟ أوليدي أوليدي شنو درتي أنا اللي سببك يا وليدي؟ كلكم كتقولوا ما صالح والو. اه بصح personnage, c'est ton héros. Tu peux pas tuer ton héros. Le spectateur, lui, il en a besoin. Il a besoin de s'identifier. Tu comprends? Ton personnage est très très bien construit. N'oublie pas qu'il doit être cohérent tout le temps. C'est-à-dire son portrait moral doit être vraisemblable en permanence. Aussi bien dans la fiction que dans la réalité. Et d'ailleurs, à ce sujet, il ne doit pas y avoir de confusion pour le spectateur. Tout doit être clair. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Ah oui, fais attention, pas trop de flashbacks. Et puis encore, il faut absolument que tu aies la vraisemblance du portrait moral de ton personnage, de ton héros. Il faut que ce soit cohérent tout au long de ton scénario. Une dernière chose, tu ne peux pas trop t'investir toi-même dans la biographie du personnage, tu comprends? C'est pas la tienne. Prends du recul, détache-toi. C'est ton film, bien sûr. Mais tu dois le regarder
avec une certaine maîtrise. Au contraire, tu vas puiser dans ton expérience personnelle pour la faire vivre. Mais invente celui de ton personnage. Voilà. Et c'était bien. T'as fait du bon travail. Voilà, bravo. Mon cher Taïeb, bravo, un bon travail.